Et yo tout le monde, salut, argenté les gars, pour toutes mes vidéos, les gars, je vais vous dire, c'était pour vous dire que j'ai reçu mon nouveau micro. Les gars, le micro, j'ai reçu hier mardi, voilà les gars, c'est un micro, il est trop bien, je vais vous faire montrer tout de suite. Donc les gars, c'est un Nikon NT200 mic, genre un truc comme ça, je crois. Franchement, les gars, micro vraiment recommandé, vraiment bon, niveau son, vraiment carré, vraiment, on peut régler le volume. Donc les gars, je vais vous faire montrer tout de suite le micro. Ok les gars, donc là on est dans ma chambre, d'ailleurs les gars, faut allumer les LED. Thanks, incroyable. Voilà, donc les gars, c'est le Nikon MT200, un truc comme ça, je crois, 200 mic, je sais plus c'est quoi. Je mettrai le lien Amazon dans la description. Mais c'est pas un placement de produit, un truc comme ça, c'est juste pour vous dire que j'ai reçu mon nouveau micro, et voilà, c'était pour vous dire. Fin... Donc les gars, du coup, là il y a un truc, alors attendez, voilà, là vous voyez bien, donc là c'est pour régler le volume du micro. Et là, c'est pour genre quand on branche le micro, enfin, le casque. Donc là, mon casque, c'est lui. Donc là, hop, du coup, il y a directement un truc pour brancher, pour entendre le son du jeu. Et du coup, dans les fonctionnalités, pour nous entendre en retour, pour voir si la qualité du micro, elle est forte, enfin, si elle est bien, si c'est assez fort, si c'est trop bas, etc. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aime bien avec ce micro-là. Franchement, c'est vraiment une fonctionnalité qui est vraiment bien, qui c'est pour ça que je vous conseille vraiment. Aussi les gars, la chose la plus importante sur ce micro là, c'est un micro USB, donc ça peut aller sur PC, PS4, Mac, et voilà. Et aussi ça peut aller sur Android si vous achetez un adaptateur pour USB, genre sur votre Android ou iOS ou votre appareil. Et du coup vraiment, comme j'ai une PS4, du coup je l'ai branché juste là. Donc du coup, comme vous avez vu, je l'ai mis sur un bras, mais normalement c'est pas un bras qu'il y a avec le micro, c'est un espèce de genre une tour Eiffel mais petite, enfin t'as capté, genre voilà. Ça fait tac, tac, tac. Là, il y a un truc, ça fait ça. Du coup, avec, tu peux mettre le micro là. Parce que moi, j'ai un bras, du coup, je préfère mettre un bras qu'un petit truc. Voilà. Sans les gars, je vous mettrai le lien dans la description du micro. Ça, vous verrez si vous voulez l'acheter ou pas. Vraiment, les gars, vraiment un micro que je vous conseille vraiment. Il est vraiment très, très bien pour les débutants, pour stream, etc. Et voilà, les gars. Donc voilà, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo de 3 minutes, quelques juste pour vous dire que j'ai un nouveau micro. C'est le Nikon MT200, tout comme ça, enfin, voilà, vous verrez le micro dans la description, si vous voulez l'acheter. Du coup, les gars, en plus, l'avantage, c'est que c'est un micro USB, donc ça peut aller sur tous les trucs, comme j'avais dit, Mac, PS4 et PC, enfin, voilà. Voilà, les gars, j'espère que si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous connaissez les boys, et voilà, les gars, du coup, surtout, à demain pour une nouvelle vidéo sur la série 1v5, je crois que vous connaissez, ciao.